La Côte d'Ivoire, présente au 6e Forum international des collectivités. Les élus locaux ivoiriens sont venus présenter les atouts économiques et culturels de leurs différentes collectivités, en vue de tisser des partenariats avec les structures en charge de développement, ainsi que d'autres collectivités du monde entier. Cette édition était l'occasion pour la délégation ivoirienne de présenter les acquis en termes de développement réalisés sous le mandat du président Alassane Ouattara. Il s'agit, selon le gouverneur du district autonome d'Abidjan, des nombreux projets de développement réalisés sur l'ensemble du territoire national, chose qui facilite aujourd'hui l'arrivée massive des investisseurs. Des actions qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver sa place de plaque tournante de l'Afrique occidentale. Nous avons travaillé en synergie et c'est pour nous une fierté de défendre les idéaux de développement qui sont l'apanage du président Alassane Ouattara. Et la Côte d'Ivoire ne fait que commencer parce que les années à venir, elle fera encore davantage pour se faire connaître au plan international. Et nous en sommes très fiers. Grâce aux collectivités territoriales, aujourd'hui, la France connaît un développement de proximité. Nous nous inspirons de cet exemple pour nous aussi apporter du développement dans les villages, dans les communes et partout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est très importante. Lors de sa visite dans les stands, le président français a marqué une halte sur le stand de la Côte d'Ivoire pour échanger avec les autorités ivoiriennes sur la politique de développement du président Alassane Ouattara. Une politique qui séduit François Hollande, qui a tenu à le signifier dans le livre d'or qu'il a signé sur le stand de la Côte d'Ivoire. Des mots d'encouragement qui ont satisfait les élus locaux ivoiriens qui entendent faire davantage pour le bien-être de leurs administrés. Cette 6e édition du Forum international des collectivités a réuni plus de 1500 participants venus du monde entier.